Bonjour, ça fait tellement longtemps. Comment vas-tu? Je ne peux pas croire que nous nous rencontrons enfin. Tu veux peut-être que je parle anglais si c'est plus facile non, pour toi? Non, ça va, c'est bon. Oh, ok. Bienvenue sur Mars. Alors, je pensais qu'on pouvait traîner à cet endroit qui ressemble le plus à la Terre. C'est très beau. Pas aussi beau que la Terre, je suppose. Vous avez des arbres? C'est vrai. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Sure. I mean, oui. j'ai essayé d'acheter ta boisson gazeuse préférée, mais il n'y en avait plus depuis une semaine. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir ce que tu voulais. Non, j'adore le jus. Ne t'inquiète pas. Ok. Qu'en penses-tu du ciel rouge? C'est étrange. Ce n'est pas bleu, ça c'est sûr. Tu t'y habitueras. J'ai entendu que le projet de ton père a eu une découverte capitale. Oui, ils ont enfin construit une machine qui permet à l'atmosphère de Mars de ressembler à l'atmosphère de la Terre. Mais bon, je pense qu'il n'a toujours pas compris que, malgré les explications qu'il va nous donner, on ne comprend absolument rien. Alors, est-ce que les cieux seront bleus? Peut-être, à peu près. Je pense que ce sera plus rouge. C'est logique. Tu te rappelles de nos dernières lettres, de nos premières lettres? Oui, oui. J'en lisais quelques-unes sur la route. Moi aussi, je les ai relues. Tu m'as demandé une question très drôle. C'était à quoi les oiseaux ressemblent quand ils volent? Je me suis dit, les oiseaux, ils battent leurs ailes. Mais après que tu m'as posé cette question, quelque chose m'a interpellée de l'intérieur. Il semble toujours que tu as vécu en ville, mais j'ai réalisé que tu n'as même pas vécu une vie normale sur Terre. Et j'étais jalouse. De moi? Oh waouh! J'aimerais voir le monde comme tu le vois, toi. La Terre est incroyable, mais Mars a aussi ses trésors. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent ici. Et quand tu reviendras sur Terre, tu verras les choses différemment. Tu as raison. Mais en ce moment-là, j'aimerais être à la maison. Je comprends. Une fois partie d'ici, je ressentirai exactement la même chose. Ici, tout est paisible. Il n'y a pas de crime, il n'y a pas de guerre. Juste des tempêtes de sable, quelquefois. Oui, les tempêtes. Non, mais elles ont leur propre beauté, surtout celle du nord. Elles forment un tourbillon dans le ciel et c'est un nuage orange. Oh. Parle-moi de la pluie. J'ai vu des vidéos, j'ai entendu le bruit. À quoi ça ressemble? Et dis-moi en anglais. Oh. Well, it's wet. Obviously. And it can be cold. Yeah. Sometimes it's warm. And you can walk outside into the storm and just put your head back. And let the little raindrops fall on your face. You can feel in the air the energy, the humidity. It smells like springtime, they call me. C'est exactement ce que j'avais imaginé. J'irai un jour sur Terre. Mais pour l'instant, c'est juste toi et moi, ici. I'm glad it's you here I'm stuck with, though. You know you're Martian, right? Technically, I'm not. But you were born here. My mother got pregnant on Earth. You're Martian. No, I'm not. Deny. Whatever. I never said it was a bad thing. It's pretty cool. You think people on Earth will think I'm weird? Probably. But you being from Mars is going to be one of the last reasons. They're going to have to make fun of me too. Yeah. Tu veux voir ma maison? Oui, c'est loin d'ici. Non, c'est pas loin du tout. Ici, le dôme fait juste 2 km de distance. Donc on est loin de absolument rien. Est-ce que nous prenons tes affaires? Non, on peut les laisser. Et puis si on nous les vole, où vont aller les personnes? Tu dois m'habituer à cet endroit. Oh, tu t'y habitueras et tu voudras plus jamais partir. J'en doute. Allez, viens!